Bonjour tout le monde, c'est Authentic Gamer, j'espère que vous avez la forme. Bah écoutez, moi je vais plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que voilà, j'avais envie de vous dire que j'étais toujours encore en vie en quelque sorte. Mais voilà, c'est du Fortnite, hein, c'est du Fortnite, comme vous l'auriez pu voir au titre. Il faut savoir que Fortnite, bah là je me permets de mettre en accéléré étant donné que c'est le début de la partie. Fortnite, c'est un jeu qu'au départ je redoutais. Je voyais tellement les grands youtubeurs français, Cimet, Gotaga, Kerry, puis même des petits youtubeurs qui font des streams et tout. Tu vois, j'étais un petit peu choqué, je me dis ouais mais bon bah voilà, le jeu il a l'air d'être bien, tout le monde en parlant bien et tout. J'ai juste appris qu'il était super long à télécharger, il m'a pris juste 36 heures avec ma connexion de campagne, hein. hormis ça, voilà. Ça fait 7 jours que j'y joue. 7 jours aujourd'hui. Faut dire que à la base j'étais un joueur console. Mais vu que j'ai pas assez d'argent entre guillemets pour m'acheter une PS4, bah forcément bah j'ai profité du qu'il est en open source le jeu sur PC. Donc du coup j'ai téléchargé donc le jeu sur PC. Et joueur console qui arrive sur joueur PC, vous rendez compte, enfin vous vous doutez que ça fait un vrai carnage niveau du niveau quoi, du level du joueur, c'est pas du tout le même. J'ai dû réapprendre à jouer, j'ai dû réapprendre à viser, à me déplacer. Et encore là franchement j'ai putain du mal, ah, je suis un vrai noob et je vous promets, ça fait 7 jours que j'y joue un petit peu tous les jours sans plus. Enfin même ouais, il y a des moments voilà un peu plus. Regardez, faut bien que je m'applique pour essayer de killer quoi, c'est impressionnant. J'ai encore évidemment fait 0 top 1 pour changer. Donc au départ que je jouais, c'était impossible ne serait-ce que de faire ça, construire et tout. Déjà le temps de se souvenir des touches, ça c'est pas comme la manette, tout voilà, ça la manette de console, et ben voilà, tout le monde sait en prendre en main une manette, mais un clavier, une souris, c'est différent, c'est plus difficile. Mais je sais que une fois qu'on maîtrise la souris et le clavier, et ben là on peut limite devenir plus fort qu'un joueur manette. Après, enfin, c'est selon vraiment le niveau du joueur, hein. Je dis pas que voilà, je dis pas que les joueurs console sont plus nuls que les joueurs PC. Ni l'inverse, hein. Étant donné que j'étais un ancien joueur console, me voilà sur le PC. Déjà, enfin les textures, les packs de textures et tout, j'ai mis tout faible, vraiment tout au minimum. Regardez un petit buisson qui court, ça c'était trop marrant. Voilà, j'ai mis tout faible et tout. Voilà, ma qualité de vidéo est un peu pourrable parce que ben rien que la qualité du gameplay en soi bah est pourrie quand un petit peu. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas un PC super performant, j'ai pas une super connexion. Ma souris elle vaut 4 € chez Alcatel. Voilà, puis mon clavier il en vaut 3 chez Lenovo quoi. Voilà, j'ai rien de professionnel. Je fais tout un petit peu, je me débrouille un petit peu, voilà, entre guillemets. Après j'essaie de me démerder comme je peux. Donc au final, tellement j'en ai chié pour faire mon premier frag, je crois que c'est au bout de la 10e partie les amis. J'ai dû faire, non pas 10 non plus, j'abuse, 6 parties, 5 fois 6 parties à jouer pour rien quoi. Je jouais à l'adversaire, je mettais un petit peu de dégâts. Après, le pire c'est pour viser, donc le pire, enfin c'est le temps de s'adapter aux touches. Il faut mémoriser les touches, savoir quelle touche fait quoi. Il faut ensuite gérer la souris. Donc moi c'est au départ je jouais à la sensibilité extrême. Je joue là, ou là c'est un peu trop ça et tout. Déjà que j'ai un petit peu du mal à la base. Donc au final voilà j'ai tout réduit. Il faut avoir un bon réflexe sur le jeu, c'est de build carrément. Faut vachement bien build. Et ça je l'ai pas, ou du moins j'essaye de l'avoir. Vous allez voir que je fais un petit effort dans cette vidéo. Mais après voilà c'est comme un réflexe, hein, c'est comme tout. Regardez par exemple ça, voilà ça, oh putain, j'ai galéré à mort, mais je me rends pas, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, vous ça a l'air tellement facile, mais chez d'autres joueurs ben voilà, tant que prendre un petit peu tout en main et tout, c'est un peu plus difficile. Donc vous doutez que j'ai cherché une autre solution. Je me suis dit bon bah très bien, je vais aller au magasin et je vais prendre une manette pour console. Loin de me douter que les manettes de PS3 faisaient le taf, ou de Xbox One, ou enfin voilà, enfin les manettes de console faisaient le taf sur l'ordinateur, parce que le vendeur de, bon je dis l'enseigne, hein, c'était Leclerc, le vendeur de Leclerc l'espace culturel m'a dit clairement que c'était impossible de lier une manette de console vidéo à un ordinateur. Et je lui dis bah écoutez, j'ai pas sorti ma science, hein. Je lui ai dit regardez, renseignez-vous un petit peu sur internet. J'ai vu qu'on pouvait, mais je me demande si avec ce type de manette, parce que ils font plus de manettes PS3 des vraies, ils font que des fausses manettes. Et je me suis demandé, comme tout le monde, tout con, si les manettes, et eh ben voilà, regardez celle-là, attendez, je reviens au gameplay. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à build, mais je build comme une merde, hein. Fallait que j'appuie sur la touche V parce que je m'étais trompé de meule de build, j'ai mis des marches et tout. Enfin bref. Vous allez voir qu'après, ben, je vais fuir comme une petite mauviette.
Donc pour venir à Dix Histoire avec la manette, oui, donc du coup le mec, enfin voilà, il était catégorique dans sa tête, voilà, si pour jouer à la au PC, il fallait prendre une manette PC, voilà. Donc malgré mes arguments, il m'a dit que c'était pas possible, je l'ai cru, donc du coup j'étais chercher des manettes, bah pas super prix, hein, mais voilà, 40 euros quand même la manette. Arrivé là, c'était une horreur encore pire qu'avec le clavier, je me suis rendu compte que durant les 2 ou 3 heures que j'ai joué, je commençais déjà à avoir plus facilement l'habitude au clavier et à la souris pour tuer un seul frag, parce que mon objectif avant c'était tuer un seul frag. Là ça devient 3 ou 4. Et après on verra dans quelques jours, peut-être que ce sera 5 ou 6. Après voilà, on progresse par palier. C'était galère parce qu'il a fallu d'abord trouver l'image de la manette. Moi je pensais quoi là, fallait juste brancher, mettre le Bluetooth ou je sais pas sur la clé USB ou alors voilà, parce que c'était une manette avec une clé USB. Voilà, au départ tu vois, je pensais que c'était juste ça. Après j'avais donc option manette du jeu Fortnite et puis voilà, ça se réglait tout seul. Mais non, il a fallu télécharger un autre logiciel. J'ai bien lu attentivement la notice. Il fallait d'abord avoir au préalable une image de la manette, la pile poil la même. Il fallait placer chaque bouton là où il fallait. Et il fallait faire une jonction du clavier QWERTY, donc américain, avec les touches de Fortnite. En gros, la manette, elle servait pas à commander le jeu, elle servait à commander le clavier. Est-ce que je trouve ça dommage? Parce que quand j'ai su vraiment que c'était facile plus facile avec une manette de console, et ben voilà, le mec, j'allais me dire, voilà, c'est bon, tais-toi, enfin, tu sais même pas vendre tes objets, et puis bah, laisse-moi acheter une manette de console pour mon PC. Et voilà, je me serais pas fait chier. Donc arrivé là, comme un bouffon, déjà j'ai explosé l'emballage. Alors pour se faire rembourser, ben mon cul, hein. Et mais j'ai beau dire chaque argument que je pouvais devant le vendeur et tout. Et ben même pour se faire rembourser, ben mon cul, voilà, ça fait que final, ben, je perds un peu de fric en disant un petit peu comme ça. Mais bon, je me dis que ça fait rien. Hein. Ça servira toujours peut-être à d'autres jeux, mais voilà. Par exemple, je reviens du tout au gameplay. C'est la fin du gameplay. Vous doutez que ben là, je suis mort, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Je ne l'avais pas vu. Enfin, je m'en doutais, j'étais presque. Je voulais le viser, mais je l'avais pas vu malheureusement, donc voilà, ça fait rien. Donc dites-moi si vous voulez des lives sur... Enfin des lives, oula, qu'est-ce que je sors comme grand mot? Pas des streams, hein, mais des lives en différé. Et après, bah les streams, ça serait en fonction de... Bah, en fait, là, je ferais vraiment pas ça pour... Oui, bah, je fais ça pour vous, mais pour moi surtout. Parce que vous allez voir souvent dans mes vidéos, genre d'ailleurs, Titoura, Jurassic, Noufuck, etc., etc., etc. Niskio et Ryan, Rafou, enfin tous les petits, enfin les joueurs comme ça, les petits joueurs, je dis les petits joueurs, je me fais engueuler, puis le Chris également. Je dis les petits joueurs, mais voilà, j'en connais déjà deux ou trois qui tapent le bon niveau. Ils font quand même entre 8 à 10 kills par partie dans les pires des games, ils font aller 4-5 parties. Bon après comme tout bon joueur, ils peuvent mourir dès le départ, hein. C'est comme tout, hein. Mais voilà. Si j'ai une moyenne, et je commence à bien m'entourer, à mon avis, c'est moi, mon préféré, mon mode de jeu préféré, c'est en section, quand je suis avec trois amis français, ou en duo quand je suis avec un ami français. Là, je joue en solo, parce que voilà, je tourne une petite vidéo l'après-midi, mais en fin du compte, c'est vraiment mon mode de jeu préféré, c'est là où je peux interagir, là où tu as une deuxième chance si tu meurs. T'as moyen de... Après voilà, j'ai pas la lieu de vous expliquer le jeu parce que je suis très mal placé pour vous l'expliquer. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire, ben je vais essayer de revenir sur YouTube. D'abord, je vais essayer d'abord d'améliorer un petit peu mon niveau sur Fortnite. Et puis après, on verra en fonction de savoir si ben, je peux me permettre de vous proposer quelques gameplays. Mais après, je suis au courant que 3 kills par gameplay, enfin c'est même pas proposable. Mais également, je tenais à vous dire que je suis débutant dans le jeu, je suis pas un dieu, tu vois, je suis débutant. Et le fait de vous prévenir, c'était que là, j'ai pas sélectionné le gameplay. J'ai fait un... Là, je vous dis, il a pris quoi? Il m'a pris même pas une demi-heure, une heure, quoi, le gameplay à faire. Voilà, j'ai allumé mon ordi, j'ai attendu la putain de mise à jour de ce matin de Fortnite. Oula, ça commence à être galère aussi avec la vieille collection de campagnards que j'ai. Et au final... Voilà, j'ai lancé la première partie, je veux dire, je vais pas essayer de faire quelque chose de bien, je vais pour leur faire voir c'est quoi mon vrai niveau sur Fortnite actuellement. Et puis comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir progresser, vous allez voir ma progression un petit peu. Mais après, voilà. J'en dis pas plus, hein, parce que, étant donné que je suis vraiment nul à ce jeu. En attendant, j'espère que ce petit gameplay Fortnite t'aurait bien plu, toi qui regardes la vidéo. Bah, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Mais bon, ça c'est vraiment que si, voilà, si je demande pas des pouces bleus de compassion, juste si ça vous a plu. Et puis si vous voulez jouer avec moi, ben, je vous invite à interagir avec moi dans les commentaires. Et puis pourquoi pas vous donner... regardez dans la description, il y aura mon pseudo. Mais si pour les joueurs qui voudront faire plus de parties avec moi et tout, et ben voilà, ajoutez-moi. Hein, et puis de donner vos pseudos entre vous peut-être dans la description si vous jouez à Fortnite, dans les commentaires.
Voilà. Allez, ciao, bye. Steamer.